Dieu vous dit aujourd'hui qu'il s'agit d'un décret divin signalant la fin de vos luttes et le début d'un nouveau chapitre rempli de bénédictions et de joie. Dieu vous assure que votre période de souffrance est terminée et qu'une phase de transformation d'abondance et de solution vous attend. Dieu vous dit qu'il a été décidé que c'était véritablement la fin de votre période difficile. La vie est une histoire composée d'innombrables chapitres, chacun offrant des défis et des triomphes uniques. Alors que vous tournez la page du récit de votre vie, Dieu veut que vous sachiez que c'est la fin d'un chapitre difficile. Les obstacles et les problèmes qui vous ont accablé sont sur le point d'être supprimés et vous trouverez des solutions là où il semblait n'y en avoir pas auparavant. Votre temps de souffrance touche à sa fin. Il est temps de vous libérer des lourds fardeaux qui vous ont retenu et d'accepter la transformation qui se profile à l'horizon. Les nuages de problèmes financiers, de soucis de santé et de difficultés amoureuses disparaîtront bientôt, laissant la place au bonheur et à la prospérité dans le grand dessein de Dieu. Les bénédictions de Dieu servent de lumière directrice qui éclaire notre chemin aujourd'hui. Dieu vous envoie ses bénédictions divines. Ces bénédictions ne sont pas seulement des moments de joie éphémère, mais des cadeaux durables qui apporteront une profonde transformation dans votre vie. Il a été décidé par un plan divin que ces problèmes seraient résolus. Des solutions émergeront là où il y avait auparavant des obstacles. Vos soucis financiers trouveront une résolution, ouvrant la voie à la stabilité et à la sécurité financière. Votre santé sera restaurée et votre vie amoureuse connaîtra une nouvelle prospérité. La garantie de Dieu est que toutes vos souffrances trouveront des réponses à mesure que vous naviguez dans les complexités de la vie. Sachez que la main divine est à l'œuvre, garantissant que chaque problème qui vous a submergé trouvera une solution. La vie est un cycle de haut et de bas, et aujourd'hui vous êtes au bord d'un nouveau sommet. Dieu veut que vous sachiez que la prospérité est sur le point de refaire surface dans votre vie. C'est le rythme naturel de l'existence, où les moments difficiles sont suivis de périodes d'abondance et de joie. Les difficultés financières auxquelles vous avez été confrontés ne constituent pas un état permanent, ils ne sont qu'un chapitre de l'histoire de votre vie, un chapitre qui est sur le point de se terminer. Les bénédictions de Dieu remplaceront ces défis par la stabilité financière, vous permettant de vivre sans le fardeau des soucis monétaires. La santé est un trésor inestimable qui devient souvent plus évident en son absence. Les bénédictions divines de Dieu s'étendent également à votre santé, garantissant que votre bien-être soit rétabli. Vous vous retrouverez à nouveau plein de vitalité et d'énergie, prêt à saisir les opportunités de la vie. L'amour est un aspect profond de l'existence humaine, capable d'apporter une immense joie ou une profonde tristesse. Si votre vie amoureuse a été gâchée par des difficultés, les bénédictions divines de Dieu vous offriront un sentiment renouvelé de prospérité et d'harmonie. L'amour refleurira dans votre cœur, remplissant vos journées de bonheur et d'épanouissement. Ouvrez-vous à la conviction que le plan divin de Dieu joue en votre faveur. Comprenez que chaque défi auquel vous avez été confronté a été un tremplin vers les profondes bénédictions et le bonheur qui vous attendent. Il est essentiel d'ouvrir votre cœur et votre esprit aux opportunités qu'offrent les bénédictions de Dieu. Soyez réceptif à la stabilité financière qui vous donnera la liberté de vivre sans le fardeau des soucis monétaires. Recevez avec gratitude le rétablissement de votre santé, car il vous permettra de mener une vie de vitalité et de bien-être. L'amour est la pierre angulaire de l'existence humaine, et les bénédictions divines de Dieu garantiront que votre vie amoureuse s'épanouit dans la joie et l'harmonie. Cette bénédiction s'étendra au-delà de vos relations amoureuses, et englobera l'amour et le soutien de votre famille et de vos amis. Acceptez ces bénédictions comme les ingrédients cosmiques qui façonneront votre avenir vers un royaume de prospérité et de bonheur. Ayez foi en la promesse de résolution de Dieu et acceptez la transformation qui est sur le point de se dérouler. Votre croyance inébranlable en sa direction sera la clé pour débloquer un avenir rempli de bénédictions divines et de prospérité aujourd'hui, demain et pour toujours. Les bénédictions de Dieu vous entoureront,
garantissant que vous vivrez votre vie avec le sourire aux lèvres et un cœur plein de joie. Tapez « Amen » pour réclamer les bénédictions de Dieu. En tapant « Amen », vous proclamez non seulement votre foi dans les bénédictions de Dieu, mais vous ouvrez également les portes d'un voyage plein de surprises et de réalisations. Alors que la lumière divine illumine votre chemin, sachez que chaque pas en avant est guidé par une force plus grande. Dans ce nouveau chapitre de votre vie, laissez-vous inspirer par les possibilités qui s'offrent à vous. Éveillez votre curiosité intérieure, acceptez les défis comme des opportunités de croissance et souriez à l'inconnu. Parfois, la beauté réside dans l'imprévisibilité de la vie, dans les surprises qui nous attendent quand on s'y attend le moins. La stabilité financière vous ouvrira les portes d'une vie non seulement confortable, mais aussi avec la liberté d'explorer vos désirs les plus profonds. Que vos journées soient remplies non seulement de l'absence de soucis, mais aussi de la présence d'expériences qui enrichissent votre âme et font briller vos yeux. Une fois votre santé rétablie, vous aurez l'énergie nécessaire pour embrasser chaque instant avec vitalité et enthousiasme. Chaque battement de cœur nous rappellera que la vie est un cadeau précieux à vivre avec passion. Rendons grâce pour les petits miracles du quotidien, car ils constituent la symphonie de l'existence. Dans le domaine de l'amour, permettez-vous d'aimer et d'être aimé d'une manière qui transcende les frontières de la romance. Cultivez des liens profonds avec ceux qui font partie du tissu de votre vie. N'oubliez pas que l'amour n'est pas seulement un sentiment romantique, mais une force qui unit les amis, la famille et tous ceux qui partagent le voyage terrestre. Pendant que vous acceptez les bénédictions divines, partagez-les avec les autres. Soyez une source de lumière pour ceux qui traversent des moments sombres. La générosité d'esprit et la compassion créent un cycle de positivité qui se propage comme des ondulations sur un lac immobile. En réfléchissant à ce moment de transformation, pensez aux leçons que les difficultés passées ont apportées. Chaque défi a façonné sa résilience et forgé sa capacité à affronter l'inconnu avec courage. Le parcours de la vie est plein de hauts et de bas, et c'est le mélange de ces expériences qui nous rend humains, authentiques et vivants. Alors allez de l'avant avec la certitude que le meilleur est encore à venir. Restez ouvert aux leçons que l'univers a à offrir et rappelez-vous que même dans les moments les plus difficiles, il existe toujours une opportunité de croissance et de renouveau. Alors que vous naviguez sur les eaux de l'existence, que votre voyage soit parsemé de joies inattendues, d'amour profond et de réalisations personnelles. Que chaque nouveau jour soit une page blanche attendant d'être remplie des couleurs vibrantes de votre expérience. Que la gratitude soit la bande sonore de votre vie et que l'écho de vos bénédictions soit entendu non seulement par vous, mais par tous ceux qui vous entourent. Car en fin de compte, la véritable richesse réside dans la capacité de partager l'amour, la compassion et la joie avec le monde. Et ainsi, que le voyage continue, imprévisible et beau, guidé par les mains invisibles qui tissent les fils du destin. Amen. Entrée 444 pour réclamer vous-même ce message et les bénédictions qu'il contient. Essayez de laisser un commentaire positif aux autres téléspectateurs qui pourraient avoir besoin d'un regain de positivité dans leur journée. L'univers y voit un acte de gentillesse qui alimente le cycle du bon karma. Vous répandrez la positivité et recevrez en retour les bénédictions de l'univers. Levons-nous les uns les autres et créons ensemble des vagues de bonne énergie.